Ah, c'était long quand même, long, long, un peu fatigant. On a dû rester avec Maxime à l'aéroport pendant toute la nuit, mais ça va, tout s'est bien passé, on est en bonne santé, on est content d'être là. Ok, premier entraînement, comment t'as trouvé le groupe? Je crois qu'il y a eu des changements. Comment t'as trouvé le groupe actuel? Ouais, il y a quelques petits changements. Après, la grande partie de l'équipe est toujours la même. On attend encore quelques joueurs qui vont venir demain. Mais non, je suis content de revoir l'équipe. L'équipe, je vois qu'elle a faim, elle travaille bien. Donc voilà, on va travailler pour être prêt pour le match. Ok, Libye, ce n'est pas une équipe facile. On a eu donc des bons commencements dans les qualifications de Coupe du Monde. Et maintenant, c'est la qualification de la Coupe de l'Afrique. C'est totalement différent. Donc, qu'est-ce qui est dans ta tête et qu'est-ce que tu comptes faire? Oh, qu'est-ce que l'équipe compte faire? Qu'est-ce que l'entraîneur vous dit et quel est votre objectif? Bah, comme tu dis, hein, c'est une nouvelle compétition, donc va falloir bien commencer. C'est un déplacement difficile, mais va falloir être bon, faire un bon match, essayer de prendre quelque chose, de faire un bon résultat pour bien commencer. C'est vrai que l'équipe, les derniers résultats, c'était positif, donc on va essayer de continuer sur ça. On essaye de continuer, d'enchaîner avec les principes du coach. Et voilà, on va essayer de tout donner pour bien commencer ces qualifications de la CAN. Est-ce que tu as jamais joué avec les Arabes ou c'est toute ta première fois? Contre une équipe nationale arabe, je pense que c'est la première fois. Après, je connais bien le jeu parce que j'ai des amis arabes ou même en Belgique qui jouent, donc je connais le style. J'ai des amis qui ont joué aussi au Maroc. Enfin, il y en a dans l'équipe qui jouent en Tunisie, qui ont joué au Maroc. Donc je connais ce football-là. Après, jamais joué contre une équipe nationale, mais nous, on est préparé, on a vu comment l'équipe joue en face. Donc voilà, il n'y aura pas de souci. Donc, personnellement, t'es préparé. Ouais, on va tout faire, hein. Il reste encore du coup demain et puis le jour du match. Donc là, il va falloir être prêt, bien préparer les derniers détails, être prêt physiquement, bien récupérer du voyage et de tout ça pour tout donner sur le terrain. Votre message pour les peuples rwandais qui est derrière vous. Bah, déjà, très content d'être là une nouvelle fois. C'est toujours un honneur, un plaisir de défendre les couleurs du pays. On espère que vous nous supportez depuis la maison pour le premier match et on va tout donner pour vous rendre fiers, hein.